traversant l'équateur. Voilà les cyclistes qui se donnent de tout cœur. Du fond de l'Afrique, tout près de l'équateur. Dans un décor magique, ils avancent tous en cœur. Du sud et du nord, donnons-nous la main. Au-delà du sport, demain nous appartient. Dans ces moments très forts, entre forêt et mer, tous unis dans l'effort, nous sommes tous des frères. C'est assez folklore quand même, on n'a pas l'habitude de ce type de course, mais ça nous fait une très bonne préparation, le public est chaud, et voilà, c'est vraiment la joie de venir ici, nous, pour la première fois. Voilà, c'est merci l'Afrique, merci Hamissa Bongo. Vous avez un mot à dire sur l'observation sur vos concurrents africains? La concurrence est rude, hein. Il y a du talent, comme on a pu voir avec l'Érythréen qui m'a battu mercredi. C'est une terre de champions avec beaucoup de talent. Donc voilà, ça n'a pas été une mince affaire cette semaine, mais ça nous a permis de hausser un ton aussi de notre niveau. Ça nous a demandé de l'adaptation au début et voilà, on a réussi à mettre les choses en place. Hier, on était déçus parce que mon coéquipier Maxime Kam, il passe quand même pas loin de la victoire. Donc on avait à cœur de ramener une deuxième victoire aujourd'hui. Alors, vous êtes Vital Concept, une équipe française, vous venez d'où? On vient exactement de la Bretagne, donc l'ouest de la France. Ouais, oui, breton d'adoption. Ouais, ça, je demande, vous venez d'où exactement? Moi, je viens de l'île de la Réunion, juste un peu au-dessus de l'Afrique. Donc, maintenant, je suis quand même breton. D'accord. Vous savez, dans le cyclisme, il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de potion magique. Je peux dire que là, nous avons peut-être 50 ou 60% de notre forme. Si à partir d'aujourd'hui, nous continuons la préparation, certes, l'année prochaine, les victoires seront là. C'est juste le manque de préparation qui fait en sorte que les Gabonais sont toujours dans les classements, dans l'arrière-plan des classements. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'ensemble, on peut faire un maximum d'acclamations pour le maillot jaune? Pour le maillot jaune. Alors que toutes les caméras depuis l'Italie sont braquées sur ce qui se passe actuellement ici, parce que l'enfant chéri d'Italie, parce que ce garçon est bien sûr de porte avec fierté, ce maillot parrainé par le parrain du cœur des Gabonais, qui vous donne la possibilité de rencontrer l'Italie. Merci à vous docteur Nicolas Télé, nous voyons tout ce que vous faites, le Gabon vous regarde à travers bien sûr le réseau des partenariats élaboré avec la CAMGS, avec bien sûr cette outil de santé économique des pays également, de la performance des professeur d'histoire géographie, elle a gravi les échelons de le domaine de l'éducation, elle a été censeur, elle a été proviseur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ensemble, merci de faire un maximum d'acclamations. Nous serons aujourd'hui avec le transporteur officiel de la tropicale Hamissa Bongo, Air France, notre partenaire. Ensemble, merci de faire un maximum. Garçon, apportez bien sûr ce trophée. Écoutons ensemble les acclamations de tout le Gabon représenté ici, avec plus de 150 médias qui nous suivent actuellement à travers le monde. Voici le vainqueur, voici l'ultime vainqueur de cette 14e édition de la petite reine tropicale Hamissa Bongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de faire encore un maximum d'acclamations pour le trio gagnant.